Dexter Academy, ben, il part simplement d'une réflexion de se dire ben, souvent on a des gens qui font du sport collectif, qui ont une base de sportifs, et puis après leur carrière de sport collectif, ils cherchent un peu une nouvelle voie, une nouvelle orientation sportive. Et donc on a pas mal de gens du sport co qui participent à nos épreuves. Donc pour le jour de la course, ce qu'il faudra faire, c'est évidemment faire attention à son alimentation. Déjeuner, un bon repas, enfin déjà la veille, avoir un maximum de glucides, des sucres lents pour avoir de l'énergie pour la course. C'est plutôt bien passé, le groupe est vraiment sympa, il y a moyen qu'on fasse vraiment quelque chose, et, enfin, ça va être sympa. Au niveau course, bah, le parcours était quand même relativement chouette, plutôt répétitif, donc ça s'est bien passé. Quand c'est du plat, voilà, ça promet, mais apparemment le parcours va être un peu plus vallonné, donc on verra bien. Mais... à voir la progression surtout, donc on verra bien. Vous verrez les jambes, on découvre des nouveaux muscles, des nouvelles sensations. Et ouais, surtout en trail, ça va être sympa.